Il a été l'une des stars de la télé préférée des Français pendant plus de 20 ans, mais c'est au cinéma que Jean-Luc Delarue pourrait bientôt cartonner. L'animateur de Ça se discute, décédé d'un cancer en 2012 à seulement 48 ans, pourrait faire l'objet d'un biopic. Car derrière le gendre idéal se cachait un esprit et une vie tourmentée. Dérapage à la télévision et dans les avions, addiction à la drogue, une face sombre qu'on pourrait retrouver dans un film. Selon Téléstar, c'est Réservoir Prod, la société créée par le producteur elle-même qui serait aux manettes du projet avec LGM. LGM indique à Téléstar que le projet n'en est qu'au stade embryonnaire. Pour le moment, pas de scénario et pas de financement. Le père de Jean-Luc Delarue confirme qu'il a bien entendu des choses à ce sujet, mais qu'on ne lui a pas encore demandé officiellement son accord. Car dès qu'on touche à Jean-Luc Delarue, ses proches comme la mère de son fils Elisabeth Bost sont prêts à répliquer. Le film n'est pas prêt de voir le jour, reste également à savoir quel acteur pourrait incarner l'animateur.